Coucou tout le monde, regardez ce que j'ai reçu. Alors, j'ai enlevé l'adresse parce que je veux pas vous dire. Je vois rien quand je tiens la caméra et que je... Oh là là, c'est beau ça. Alors, des stickers. C'est pas une commande, hein, c'est un carton recyclé. C'est la première fois d'ailleurs que je suis autant contente d'une commande Craftelier finalement. Parce que c'est pas du Craftelier. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est juste pour faire des jolies lignes. C'est comme des brats, mais en long. Oh, c'est sympa ça. Je connaissais même pas. Faudrait que je trouve une utilisation. Oh, alors ça, je sais d'où ça vient. Ça vient de Nose. Donc, c'est quelle marque? Karen Foster. Oh, trop bien. Hop. Oh là là, qu'il est beau celui-là. Ah, il a l'air joli celui-là. Une plaque d'embossage. J'aime bien les plaques d'embossage de fond, là, comme ça. Ah, et alors ça, les arabesques, c'est carrément... Alors attendez, que je vous montre laquelle est, c'est celle-là. Vous avez vu quand je fais rien comme mes ongles y poussent? C'est une catastrophe. Quand je suis malade, je reste au lit, donc du coup, je me pète pas trop les ongles. Oh, mais il y a des tonnes de trucs, regardez. Encore des petites, pas la même couleur, mais c'est tout très automnal. Ça ferait une jolie petite barrière, ça, avec un arbre, des citrouilles et tout. Oh, faut que je trouve une idée. Alors, c'est des brats ou c'est des boutons? C'est des brats, mais ils ont un aspect tissu. Faudrait que je regarde ça en les ouvrant. Et si mon téléphone, il faisait la netteté un peu? Ah, voilà. Vous avez vu, ils sont recouverts de tissu. Allez, le téléphone, tu voudrais bien faire la netteté, s'il te plaît? Merci. Encore des petits stickers 3D, Puffy, tout ce que vous voulez. Donc, ceux-là, c'est plutôt anniversaire. Ouais! Ah ben là, c'est sûr, j'ai de quoi faire. Ça pourrait faire une jolie couverture d'album, ça. Oh, faut que je trouve une idée. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? En tout cas, c'est joli parce que c'est des arabesques et des pierres. Des espèces de demi-perles. Et c'est des embellissements en métal. C'est très, très joli. C'est assez grand, hein, quand même. Mais en même temps, ça va, c'est pas énorme, donc ça passe de partout. C'est très, très joli, ça. Ça, c'est un peu vintage, un peu romantique sur un album féminin. En même temps, ça peut être aussi girly, donc ça peut aller sur un album plus moderne. Ah, oh, qu'est-ce que c'est? Trop bien, c'est une caravane, un camping-car. Are we there yet? Est-ce qu'on est déjà arrivé? La montagne, une petite carte, voyage, et sous l'ancien prix... Ah, road trip, voilà. Et puis, un panneau. Trop bien. Oh là là, il y a des trucs trop bien, trop bien, trop bien. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est des vrais brats, mais pierres précieuses. Enfin, vrais brats. Au niveau de la taille, ça ressemble déjà plus à des brats classiques, mais très pierres précieuses. Ça, ça va aussi aller sur un album girly, ça. Ça, c'est génial. Ça pour les junk journal, c'est super ça. Ça c'est super. Oh, mais regardez tout ce qu'il y a. Alors là, il y a des gros brats, des demi paires. Enfin, c'est un brat ça ou pas? Non, c'est des trucs autocollants, des petits boutons. Et c'est tout de la même couleur. Enfin, tout de la même couleur. C'est tout assorti. Oh, du sisal. C'est génial ça, du sisal. C'est comme ça que ça s'appelle, hein. Attendez que je trouve. Ben c'est pas marqué. C'est pas marqué.
Après, je vous montrerai quand on fait des compositions de fleurs, de feuillages et de demi-perles, etc., sur une couverture ou sur une carte, on peut mettre des fils comme ça, de partout, enfin de partout, en mettre quelques-uns. Et ça donne un peu un effet, enfin ça donne un peu de la profondeur, ça donne un peu du relief à tout ça, sans pour autant prendre beaucoup de place, puisque c'est juste du petit fil. Alors là, il y a des petites perles. Puis ça, c'est mes couleurs préférées, violet en plus. Ça, c'est beau, hein, ça. Ça a l'air d'être du plastique, mais c'est bon, ça fait pas trop plastique. Hop, hop. Alors ça, ça pourrait éventuellement aller dans un shaker, mais je fais pas trop de shaker, moi. Donc je le vois mieux, surtout sur en forme de petites fleurs, rajouter comme ça, peut-être suspendu avec les fils de cisale, là peut-être. Oh, que ça c'est joli. Alors attendez, je regarde de près ce que c'est comme matière. C'est très naturel. Je sais pas en quoi c'est fait, mais c'est naturel. C'est soit du bois très fin, soit une espèce de coton épais. Allez, le téléphone, fais ton boulot. C'est super beau. J'en avais jamais vu des comme ça, naturels comme ça. Ça n'a pas l'air d'être du papier, ça a l'air d'être une matière un peu bois ou écorce. Ou... Oh là là, encore des jolis brats de toutes les formes. En pierre précieuse, enfin en pierre précieuse. Je pense pas que ce soit des pierres précieuses, hein. Mais en tout cas, c'est bien imité. Oh, et des demi-perles de culture, là. En rond, en carré, en losange. Oh, c'est super beau. Et alors ça, ça c'est extraordinaire. J'adore les étiquettes, moi. Alors, faites voir que je vous montre. Hop, 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 et là. Attendez. Voilà, comme ça vous voyez mieux. C'est quelle marque, ça? C'est quelle marque, les enfants? C'est quelle marque? Just Right Custom Dies. Il y a même un site... ils ont un groupe, pas un groupe, une page Pinterest, là, pour avoir des idées. C'est bien quand les marques, elles donnent un peu des idées, parce que des fois, ça arrive qu'on patauge un peu dans la semoule. Alors, si vous le découpez sans trop de pression, ça fait que le découper. Si vous découpez avec un peu de pression, ça va embosser le bord, comme ça. Voilà. Si votre machine ne fait pas assez de pression, vous le découpez une fois et après vous le repassez avec un tapis d'embossage pour un peu appuyer là sur, non pas cette partie extérieure, mais sur la partie là intérieure. Voilà, c'est génial. Bon, et ben écoutez, voilà, je vous dis pas, comme depuis quelques temps, hein, il y a eu des... Bon, comme de partout, des jalousies, des critiques, je sais pas, voilà. Donc, je ne dis plus qui m'offre les cadeaux. Si la personne qui me les a offerts est assez courageuse, pour le dire téméraire, qu'elle ne se gêne pas, qu'elle le dise. En tout cas, je la remercie mille fois. C'est super joli. Je les regarde en les rangeant encore. Ils sont beaux, hein. J'arrive pas à bien vous faire voir l'effet tissu. C'est du vrai tissu, hein. Oh, c'est beau. Ça, c'est vraiment joli, ça. En plus, c'est grand. Ça, vous faites juste un coup d'embossage sur une feuille de couleur unie. Au milieu, là, vous y mettez soit un sentiment, ce que vous voulez, soit éventuellement un petit bouquet de fleurs. De petites fleurs là, et votre carte elle est faite en 2 secondes. C'est génial ça. Et ça c'est toujours utile parce que c'est adaptable à tous les genres de cartes, quoi. C'est ni trop moderne ni trop vintage, c'est super bien. Couture Création. Il y a plein de marques que je connais pas. Oh, ils font des jolies choses dans cette marque, vous avez vu? Regardez. Hop. Ah, il y a du bois. Un petit moment que je cherche une plaque d'embossage en bois, comme ça. En faux bois. Et dans cette marque-là, ils sont très, très
fleuri romantique. Enfin, ça c'est vraiment le romantisme n'est pas mon style, mais ce style de plaque d'embossage, c'est vraiment mon style. Bon, voilà. Allez, hop. Oh là là, j'en ai encore. Oui, celui-là, il est vraiment beau. Celui-là, je languis de le tamponner pour voir à quoi il ressemble. Parce qu'autant les autres, on devine tout de suite à quoi il ressemble. Celui-là, on sait pas trop ce qu'il va donner. Mais je pense qu'il doit être vachement beau. Et puis, Poker Face. Je suis une passionnée de poker. Donc, et voilà. Celui-là, par exemple, on devine quand même assez bien ce que ça donne. Hein. Hop. Il est beau, hein? Ouais, ils sont super beaux. Je vous ai dit la marque de cela, ouais, Karen Foster. Bon, ben voilà. Je suis super contente. J'ai de quoi faire là avec tout ça. J'ai au moins 3 ou 4 cartons filmés. Enfin, 3 ou 4 vidéos de déballage de cartons que je ne vous ai encore pas mis en ligne. Parce que j'ai un petit souci avec mon ordinateur. Il n'y a plus du tout de place. Donc là, je suis en train de plus du tout enregistrer rien, de rien, de rien. Et au contraire, je regarde style les films. Des fois, je télécharge des musiques pour les écouter une fois et puis décider si oui ou non, c'est une musique qui me plaît et si je vais m'acheter le CD ou me payer la musique ou je sais pas quoi. Donc, j'en ai plein comme ça que j'ai téléchargé, que j'ai pas écouté. Donc, je suis en train de tout écouter, de tout supprimer pour faire de la place pour pouvoir vous mettre les vidéos. Voilà, bisous, bye bye, à bientôt.